Sur les ondes des Top Congo, la révélation est grave. Le gouvernement provincial, sous l'égide de Julie Ngongwa, aurait dépensé 27 millions de dollars américains sans que cela n'ait d'impact sur la province, déclare la Commission économique et financière de l'organe délibérant du Tanganyika. Ces allégations sont jugées fausses pour l'exécutif de Julie Ngongwa à travers son directeur de cabinet. Ici, l'on fustige le déséquilibre dans la collecte d'informations par l'Assemblée provinciale, elle qui n'aurait pas abordé les membres du gouvernement avant de tirer pareille conclusion à l'issue de son contrôle parlementaire. Par ailleurs, le directeur de cabinet de Julie Ngongwa révèle que l'Assemblée provinciale perçoit près de 300 000 dollars américains, avec à peu près 95 000 dollars américains émanant de l'exécutif provincial chaque mois, mais ce budget n'a jamais été justifié par les élus du peuple, alors que dans ces lignes, il est prévu un certain nombre d'investissements. Et que l'Assemblée, qui n'a que 25 députés et près de 60 agents politiques et administratifs, dépense près de 300 000 dollars le mois. Nous, on vous parle même des petits investissements, des appuis à gauche et à droite. Mais est-ce que l'Assemblée ne pouvait pas nous faire quelque chose? Parce que dans cet argent, quand ça vient de Kinshasa, on parle de les libellés s'appellent fonctionnement. Donc il y a le traitement, il y a le fonctionnement et il y a l'investissement. Alors nous allons voir comment ils vont investir dans ce qu'ils gagnent. Parce que c'est bien de condamner les autres, mais c'est mieux de montrer l'exemple. Parce que dans tout ce qu'on leur donne, il y a aussi l'investissement. Parce que l'Assemblée a un budget, vous allez voir dans leur budget, il y a une partie d'investissement. Alors, vous êtes des journalistes, vous allez poser la question. En plus, le directeur de cabinet appelle les députés à jouer leur rôle utile pour la province et permettre au prochain exécutif de faire calmement son travail, car il serait reconnu à certains élus du peuple la volonté de déstabiliser les gouvernements provinciaux. Il faut qu'il laisse les gouvernements qui viennent, qu'il les laisse tranquilles. Parce que nous savons comment ils fonctionnent. Et il y en a qui sont reconduits jusqu'au bureau. Il y en a qui sont reconduits. Je ne voulais pas que les mêmes habitudes d'antan puissent se reproduire avec les nouveaux gouvernements que la population attend et que nous attendons tous de tout lever, une bonne collaboration, un bon accompagnement, surtout à la mobilisation. Il ne faut pas seulement que l'Assemblée attende seulement les dotations. Qu'est-ce que l'Assemblée fait comme travail pour aider la province à mobiliser les fonds? C'est ça la grande question. Je voudrais qu'il puisse être un bras séculier, une aide confortable au gouvernement Kitungwa pour que la population trouve son compte dans ce que l'excellence Kitungwa va faire. Avec sa capacité d'au moins 900 000 dollars américains le mois comme revenu, la province du Tanganyika est soumise à d'énormes dépenses au-delà même des entrées qu'elle enregistre. Chaque mois, l'exécutif provincial est obligé de payer la dette de plus de 88 000 dollars américains à une banque locale, crédit qui serait contracté depuis des années en faveur des députés provinciaux. Le prix du maïs, l'un des constituants de l'aliment de base au Tanganyika, grimpe de nouveau dans la ville de Kalemi. L'état des routes, l'augmentation des coûts des transports ainsi que l'agitation des eaux du lac Tanganyika resserrent l'étau. Masiku ya mbele mindi likuwa nakuya hapa magari haionekane tena na mikanda ba mindi beko nalia luombo bapate kitu. Mikanda inapita, kagari tu kuingia ba mikanda banakuya kila mtu analomba yake, kila mtu analomba yake. Batu banalia malalamiko na gari na transporto ya gari. Iko mingi na mikanda nayo, inapita mingi. La dépendance vers l'extérieur est également dénoncée sur les rebondissements de ces prix, devenus presque chanson monotone à Kalemi. Hivi Tanzania, hivi pepo tu inatoke hapo. Na hii magumu balipata, balibloke vitu vyao. Ona sasa gisi, mindi naanza kone na pata. Leo saki 125, 130. Na ilikuwa 95. Kipindi aba ya ibwa ibwa aba vyana ba kujeska. Me leo bana stope tu mihindi ya kule. Leo huku tunahangaika. Na wakati si tuko na pori munene ya kuleta mihindi mwetu humu na njala isi. Pompa mwili kwa ni 15,000, 18,000 francs.
Leo tunakuwa ma 25 mais inakuwa bei sana. Manger à sa faim devient davantage un casse-tête dans plusieurs familles tellement que le prix des produits de première nécessité grimpe qu'il ne baisse. Tuko na souci. Mindi napanda bei, uwezo hakuna. Ndio tunaomba mtu shushie bei ya mboka, mindi. Atuone namuna tunaishiwa dunia hii Kongo yetu inakuya nguvu. Bien avant, les légumes accompagnateurs du foufou ont connu l'ascension et la tendance reste inchangée sur le marché jusqu'à ces temps où la hausse du prix du maïs est déclarée. Tunalalamika tu si bakusakisha mindi baba yangu mule nakuwa 2500. Pompa inakuwa 2500. Sasa na baba mule wanasema bei ya SNL ndio inatuma na baba pandishe nani bei ya kusagisha. Sasa si ba kusagisha tunateswa, mindi natupandia bei, mule nao natupandia bei. Tutafanya je na watoto banduku? Montre une mesure des maïs appelée communément pompa à Kalemi vaut désormais 3000 francs congolais au lieu de 1500. Ce passage à double qui dérange les paniers de la ménagère a des justifications chez les meuniers. SNL na pandisha kutire bei sana. Ndio maana sisi tunapandisha na bei autant maake pompa moja inakuwa 3000 francs. Saki ya mioko iko 10000 francs, 15000. Bande rouge iko 15000. Bande vert iko 10000 francs. Wakati ile ya Kabila ilikuwaka 90 tunatia 60 bia ville 60000 mtu analipa. Sasa hapa inakuwa tunakuwa nalipa 150000. Tunakuwa naenda madesa 1000 facture. Sasa unajua tutalipa je na tutapata je. La multiplicité des taxes, les coûts des pièces de rechange sont aussi brandis par les tenanciers des minoteries et établissements des moutures du chef-lieu du Tanganyika, qui semblent ne pas hésiter à exercer une pression sur la SNL et le service de l'État, avec la population comme grande victime. On a coûté pour l'agent de l'État dans les documents, on a dit que bana pandisha na madokima ukona kuta tu watumika mali tunakosa tu kutumikia tu nileta si hatuna avantage hatuna nini selo madokima ya aja de l'etat ukona kuta aja de l'etat nangia mutere hana dokima zeziko ku normal maka nakwa sasa nakuya ku menace anakuya na ordre de mission nakuya kuta sasa na signer ordre de mission atakutaxe na iko na madokima zake mule mule sa mwingine atapita. Alwasema hata hii document uliuzia huyu ni ya bongo. Naye ataleta yake na unamuzia hayo tena. Tunakuwa sasa ile market inatuchanganya kama tufeje tunakosa. Pendant ce temps, le cri des habitants sur la cherté de la vie ne cesse de fusiller et la flambée du prix des moutures est un poids de plus sur les ménages. Important de souligner que la montée du prix des moutures des graines et cossettes entraîne la baisse des recettes au dépôt des ventes des maïs, nous ont témoigné plusieurs propriétaires. Du mal à s'accorder entre les autorités locales et les motards de la ville de Kalemi. La récente mise en place d'une taxe de parking spécifique aux deux-roues vient déclencher une nouvelle vague de colère et de frustration chez les motards. En effet, ils justifient leur mécontentement par le manque criant de places dédiées aux deux-roues dans la ville. Ils affirment que la municipalité n'a pas fourni d'infrastructures adéquates avant d'imposer cette nouvelle taxe, les obligeant ainsi à s'égarer dans des endroits peu sûrs. Hakuna parking, hatuwezi lipa juu hakuna parking. Faut lipe kwenye kuko parking, kila mtu anakuja anasimama ndani ya parking. Pa kutoka anaacha ya parking, mtu alitosha yake anajenga parking. Njoo ile. Mais kama hakuna parking, utakuwa lipisha watu makuta nini? Si nikoneana. Il faut gouvernement congolais Tanganyika ituangalililie. Itujenge ma parking, tuko ba montare ba mingi, tuko nenda mafasi ya mai tu mafasi ya mingi. Kila mafasi nyana naona sasa vile peko terrain vide na tujenge njo parking hapa. Sasa vile patisie we palubuye, ku poste pala na tujenge parking. Tutalipa sans problème, pala hatutabisha. Mais pour les mamans qui peinent de vivre, les mamans peinent de fuir la population. Les motards de Kalemi décident de riposter par le boycott. Ils annoncent vouloir massivement s'abstenir du paiement de la taxe de parking, conditionnant cela à l'installation des emplacements appropriés par l'autorité publique, auteur de l'instauration de la dite taxe. Les étalages du marché Katanga Kalemi ne sont plus occupés. Les vendeurs des denrées alimentaires, principalement, voire d'autres articles, préfèrent se trouver des places en dehors de ces marchés. La situation dure depuis plusieurs mois sous les yeux regardants mais impuissants de l'autorité publique. Seul le vendeur d'habits et d'autres produits non consommables exerce à l'intérieur de ces lieux de négoce.
Les déserteurs du marché Katanga-Kivu, pour leur part, fustigent l'éloignement avec les potentiels clients, d'où ils préfèrent quitter et se placer aux endroits visibles pour plus de clientèle. Toi, tu as chakula kule mwisho. Mais bote ba manguo mabitu mbalimbali biko kumbele. Batu banatoka mukazi banona kusimama bende ndani ya soko hakuna gisi. Banapita direct baenda ku makorobo ku balabala. Baenda uzia pale. Banaenda ku manyumba chetu na bakia kule kazi yetu ilikuwa tu ni kulala busingizi. Sur l'autre facette, la parcelle qui est transformée en petit marché est étroite au point de rendre difficile les passages aux piétons et aux motards. Pas d'étalage, les produits alimentaires sont vendus dans des conditions qui restent à désirer. Ce qui inquiète les consommateurs, à plusieurs observateurs. Si sawa wa simamizi wa wachuruzi, tumepisha kupana shauri. Na hiyo shauri haikukubalika na haikutimilika. Sababu fasi ya kuuzishia chakula imekwisha kutengenezewa tangu kale na mzungu. Na njoo ile mabibanda mnaona iko construct ya mbloke kule nyuma ya biro kule yulu. Lakini kwa mshangao tuliona wamama wanatoka katika bile vibanda fasi ya kuuzishia chakula na kuko maetalage ambeto zenye zilijengewa juu ya entreposage ya chakula wakaingia mu parcelle d'un particulier ile haina soko. C'est une parcelle d'un particulier. Pour la cause supérieure, portant sur la santé publique, les autorités urbaines et municipales sont appelées à imposer une rigueur pour que les produits alimentaires soient vendus dans des conditions admissibles. Il fait rêver un nouveau rebondissement dans la santé de la justice congolaise. Constant Mutamba fait feu un véritable chien de garde contre les hors-la-loi. L'ancien opposant politique, devenu ministre national de la justice et garde des Sceaux, est à sa première épreuve avec les dossiers de surfacturation des forages et lampadeurs dans un projet destiné à 1000 localités de la République démocratique du Congo. Deux membres du gouvernement central sortant et un entrepreneur sont principalement visés comme auteurs présumés. Si l'ancien ministre du Développement Rural François Rubota et le directeur général du consortium Stuvest Construct comptent déjà des nuits à la prison de Makala, tel n'est pas encore le cas pour Nicolas Kazadi. Les surnommés argentiers nationaux respirent encore de l'air libre, bien qu'un flou s'entretienne encore sur son interdiction ou pas à quitter les territoires nationaux. Jusqu'où ira Constant Mutamba dans cette affaire portant sur les détournements de plusieurs millions de dollars américains en République démocratique du Congo, des projets cruciaux à intérêt général, fait-vous généralement l'échec. Sur les cas du programme des 100 jours initié par les présidents Félix Tshisekedi et du projet Bukangalonzo, dont l'argent des contribuables congolais a été dilapidé sans que les auteurs ne répondent de leurs actes. En empêchant l'ancien ministre des Finances de quitter le pays le samedi dernier, alors qu'il tenait se rendre en France pour des raisons de santé. Constant Mutamba, déterminé à mettre fin à la République des Intouchables, longtemps tendu, les boxeurs de la vue des Kalemi ont retrouvé les rings après plusieurs années d'interruption des championnats. Ces tournois de deux jours étaient organisés à l'occasion de la journée de l'indépendance de la RDC. Plusieurs combats de trois rounds ont été programmés à l'ordre du jour. À l'ouverture, Hassani se mesure à Crispin qui entamait la partie avec beaucoup d'agressivité en rendant là son adversaire en premier round. Sous les applaudissements du public, le combat était très mouvementé en deuxième round quand les supporters des deux acteurs ont poussé les cris d'encouragement. Enfin, Crispin l'a emporté après avoir avancé plusieurs coups avec vivacité. Après la partie, le vainqueur a exprimé sa joie pour avoir pris de l'avance. En tout cas, merci à la capitaine Wangu qui m'a fortifié, qui m'a entraîné, qui m'a fait ma leçon. Je me suis dit que je suis parti sur YouTube et TikTok. Basi ni ile tu hakuna dawa wala nini. Ni ile tu kujidonea kwa entraînement na volonté. Ndio maana mimi nafika leo kuine. L'organisation de ces tournois était l'initiative des athlètes eux-mêmes qui ont passé 5 ans sans être engagés dans une compétition majeure au niveau local depuis que les comités de gestion de l'entente en place est en exercice.